Je vais vous présenter un glitch qui va vous rendre complètement invincible contre tous les zombies sur MW3. Pour réaliser ce glitch, c'est super simple. Vous avez juste à vous rendre à l'hélico d'extraction de la dernière mission de l'acte 1. Quand vous êtes dans cet hélicoptère, vous attendez qu'il monte jusqu'au maximum et dès qu'il commence à avancer, vous allez compter plus ou moins 10 secondes avant de sauter de l'hélicoptère. Ensuite, vous verrez qu'à l'atterrissage, vous serez complètement invincible contre tous les zombies et même les mercenaires. Rien ne pourra vous tuer, même pas la tempête. Alors bien entendu, avec ce glitch, vous allez pouvoir faire de l'XP et de l'XP d'armes en illimité, vous allez pouvoir tryhard toutes vos missions, et vous allez même pouvoir farm les schémas. Alors par contre, vous ne pourrez plus vous exfiltrer. Donc si vous voulez récupérer tout votre stuff, vous allez devoir mourir. Et avant de mourir, très important, vous devrez acheter pierre tombale pour pouvoir récupérer votre stuff dans la prochaine partie. Donc pour vous tuer, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à un shop de niveau 3, acheter le mastodonte, et ensuite lancer la caisse du mastodonte sur vous-même. À ce moment-là, vous allez carrément mourir définitivement et vous pourrez quitter la partie. Quand vous allez relancer la partie, vous aurez votre pierre tombale qui vous attend. Vous aurez plus qu'à récupérer votre stuff et à vous exfiltrer. Alors si maintenant vous attendez la fin de la zone, quand la tempête recouvre toute la carte, à un moment donné, vous allez être expulsé de la game. Alors si vous choisissez cette méthode pour mettre fin à la partie, il faut savoir que tout le stuff que vous allez vous équiper en début de partie, vous allez le récupérer dans la prochaine partie. Et vous allez pouvoir relancer des parties en illimité pour faire de l'XP en illimité sans perdre votre stuff.